Je suis raciste. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'en bats les couilles. Clairement, je m'en bats la race. Yes. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Pokémon épée. Ce n'est pas un let's play. Et c'est juste un best-of, une compilation de plusieurs genres de jeux. Du coup, rapide topo en voix off pour vous expliquer ce qui s'est passé avant. Ça fait à peu près plus d'une semaine que je me suis arrêté de jouer parce que je voulais tourner cette vidéo. Et là, je suis totalement excité. Tu vois, comme la première fois quand tu vas te faire sucer. C'est parti. Parfois, je m'amuserai à faire les voix parce que je trouve ça drôle à faire. Ah, mais je vous ai pas montré ma team. Bah oui, parce que comme on est en plein milieu de l'aventure, du coup, je vous ai pas montré ma team. Je me suis mis comme contrainte de mettre que des nouveaux Pokémon de la 8ème génération. Pourquoi ? Parce que je me suis dit que les mecs se sont pas fait chier à créer des nouveaux Pokémon pour remettre des Dracaufeu et des Léviator, hein, comme un gros fils de pute. Torgamor. Je l'appelle la tortue, quoi, c'est une tortue, hein. Roche, eau. Corvelus, Pokémon hyper badass, on va pas se mytho. Beaucoup long dans son équipe, c'est sûr. Montracite, je sais pas quoi, Pokémon assez badass, mais éclatax, parce qu'il a un double type nul à chier. Roche-feu, ça pue. Salarsen, double type pas fou, hein, clairement pas fou, mais il est grave cool, il est grave stylé, un peu qu'un peu stylé, j'aime bien. Angoliath, hyper badass, hyper vénère, un double type intéressant. Gouritmic, le starter, c'est ce petit Pokémon vert. Sans plus, mais voilà, c'est une équipe assez sympa. L'infirmière, elle soigne même les Pokémon dans les boîtes, elle est vraiment gentille. Bah, je m'en fous qu'elle soit gentille, mais moi, j'aimerais bien qu'elle me suce, tu vois. Ah, infirmière Joël, viens me sucer. Qu'est-ce que vous racontez, les deux karatéka, là? Il paraît que certains Pokémon sauvages utilisent des bains thermaux pour soigner leurs blessures. Tu vois le mec karatéka trop vénère, avec un début de calvitie en plus, miskin, qui parle comme ça. Imaginez, je m'appelais Théo, il m'aurait mis une matraque au cul, enculé. Mais que vois-je, tu cherches à compléter le Pokédex? Tu m'en renvoies ravi, bon courage pour tous ces moi j'y pense, j'ai ici un objet qui devrait être très utile. Charme, stabilité, ça sert à quoi? Ce porte-bonheur permet de stabiliser les Pokémon qui augmentent les chances de réaliser une capture critique. Oh c'est génial! On a réussi à avoir des billets pour des places les plus proches de l'action. Parfois ça fait un peu peur, mais on en prend plein la vue. Bah avec mon sperme aussi on en prend plein la vue. À quand de palette. Mais qui es-tu toi? Je suis en train de dilucider une affaire, ne me dérange pas. En soi, il a un peu raison. Bon, après, c'est une affaire avec des enfants dedans, je veux pas trop savoir ce qu'est ce genre d'affaire. Mais en soi, on vit dans les chambres des gens comme ça. J'imagine que tu souhaites connaître mon identité. Je suis Prosper Spicas. L'affaire des baies dévorées dans le hall. Mais puisque tu es là, je vais t'engager comme assistant. Non, mais c'est sérieux. Est-ce qu'on le fait ou on se barre? On se barre. Est-ce qu'on tente une coupe? On paye quand même. Même si ça me ressemble pas vraiment la coupe, on tente une coupe, ok? Eh, on va tester les cheveux longs ondulés. À l'époque, j'avais ces cheveux-là. Eh ouais, qui aurait cru? On tente un rose ou pas? Eh, la vie de ma mère, viens, on tente un rose. Je ressemble à rien du tout. Oh my god! Ah, en fait, non. est-ce que vous voulez mettre à jour votre carte de la ligue? Clairement pas, non! Si ça existait, la neige tiède, eh ben ça serait bien. On pourrait jouer dehors plus longtemps. En fait, je t'explique. Si la neige est tiède, ça devient de l'eau enculée. Qu'est-ce que tu racontes, beau gosse? J'ai le sang chaud, moi j'ai pas besoin de me couvrir beaucoup. Lui c'est de ton âge, j'ai rien. Du coup on va chercher des petits vêtements parce que là j'ai un peu le pantalon à la Michael. Et les petites chemises sympas à la Michael Jackson. Moi la petite chemise me plaît, hein. Est-ce qu'on se fait la petite chemise violette? Oh la chemise rose et blanche, clairement. Wow, ça coûte la peau du cul, gros. Oh, il y en a un style très gay. Vous allez voir, on va créer un gay en fait. Joyeux bien sûr, joyeux, je parlais pas des gays... Ok, bah voilà, on a pris un petit sac Pokéball, ça lui va pas du tout avec, mais Balaras. Voilà, on a fait un petit style sympa, les gens. Ma chérie, tu es très jolie. Bah, go à l'arène. Ah, il a perdu. Ok, bah c'est parti, let's go. Du coup, là, il y a une fosse. Et là, non. D'accord. Voilà. Alors on y va. Premier combat de cette arène. Alors ça y est, t'as compris comment te déplacer dans le stade de Ludester? Bah pas très compliqué meuf, hein. On va pas se mytho. On va mettre Aqua Brèche, hein. Let's go. Bon, ça va être très rapide. Bah les couilles. Ah oui, il y en avait plein! Ah oui, mais tout à l'heure, quand je suis passé en diagonale, j'étais vraiment à côté! Allez, bah c'est parti, deuxième combat! Alors, tu vois les Pokémon Roche? Ils sont. Mais alors, super! Je te jure, sans rire, vraiment! Putain, j'ai juste mal lu encore la phrase. Dites-vous que j'étais en L. Aqua Brèche.
Bah, dans ta daronne, hein. Allez, c'est parti. Alors, ça y est, t'as compris comment te déplacer dans le stade de l'Udeste? Bah, pas très compliqué, meuf, hein, on va pas se mytho. Ok, je suis un gros fils de... Ah! Bah, pas très compliqué, meuf, hein, on va pas se mytho. Bah, viens m'affronter, fils de pute. Le mec, on est pas à côté, il est là. Eh frère, je comprends pas, t'es où, wesh? Chaz, il a trop la classe. Il a un corps d'athlète, il est toujours bien habillé. Eh, sale PD, wesh! Bon, c'était très 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 compliqué. Est-ce que c'est là? Ah, bien ce que je pensais. C'était trop beau. Et même là, yes! Louis, le meilleur au monde. Bon. Regardez le nombre de trous, c'est moi. Maintenant c'est sans les yeux. Mais déjà qu'avec les yeux je suis nul. Putain. N'essaie pas de 4 de... Pff, allez, parti, combat, allez. Du coup, à quoi brèche, hein, la même attaque depuis tout à l'heure. Allez, au revoir, simularbe. Ah, il a ténacité ou fermeté là, je sais pas quoi, ouais, bon allez. Du coup, il va me faire quoi? Marteau bois. Ah. Ah. Ah, ça fait mal quand même. x4, eau et roche, moi. Ah, ça c'est totalement... J'ai fait des erreurs, permet d'y voir plus clair. Bah, j'ai fait la même chose, la dernière fois j'avais touché un enfant de 8 ans. Et là, on va arriver sur l'arène. C'est magnifique, franchement l'animation est superbe. Bon, je vais faire une voix de gros. Salut, moi c'est Jazz. Et tu peux pas me dire que tu m'as impressionné pendant cette mission. Mais bon, tu t'es accroché pour la compliquer, c'est déjà ça. Hein, fils de pute, pourquoi tu parles mal, espèce de gros lard? Oh, on va tenter cavalier rouge. Ouais, on va tenter ça, parce qu'en soi, on l'a déjà pas montré, on va montrer. Allez, va-t'en. À quoi brèche? Salut! Oh, il doit avoir un double type, c'est pas possible. Ah, ma vitesse, elle a baissé, cet enfoiré. Ah, ok, bon, bah, t'auras pas le temps d'en profiter, parce que je vais t'enculer. On va se mettre en Dynamax pour vous montrer. Et on va faire un Hydromax. Et je suis plus rapide, du coup, il n'aura même pas le temps d'attaquer. C'est triste. Et bon, bah voilà. Il n'a pas fait long feu. Oh, bah voilà, ça se complète petit à petit, putain. Il y a un héros qui a une épée et l'autre un bouclier, c'est ça? Je veux le bouclier. Moi, je veux l'épée. Tu sais pourquoi, en fait, pourquoi j'ai choisi Pokémon épée bouclier? Parce que déjà, il y avait des Pokémon qui m'intéressaient. Mais après, épée, c'est même pas parce que le légendaire est plus beau ou pas. C'est parce que pour moi, l'épée, ça ressemble un peu à la bite. Du coup, moi, j'ai une bite. Et le bouclier, ça ressemble plus à une techa. Du coup, j'ai laissé le bouclier pour Anthony, parce qu'Anthony, il a un côté un peu efféminé. Ok, d'accord. Ah ouais, j'étais en train de vous parler. D'un coup, il fait « Eh, viens, on se bat, enculé !» Ah ouais, bien joué. Ah, et puis, Sam, il est là. Putain, fils de pute, tu fais que me battre tout à l'heure, là. Casse-brique. Bon, bah voilà. Ah, c'est vrai que mon attaque, elle a peut-être baissé. C'est vrai. En plus, il a une bonne défense. Tacle lourd. Ça fait mal. Ça va être très mal. C'est super efficace parce que c'est une attaque acier et je suis de type fée ténèbres. Yes, comme ça, je me prends un peu de vie. Je me mets un peu bien. Vite fait bien. Tambour battant. Allez. Bah, c'était cool, hein. Tacle de feu. Au revoir, fils de pute. J'ai peut-être perdu, mais ça, je pense que ça vient, ouais. Je dis la même chose, à Tadaron. Putain, je sens que ça vient, putain. Dans la vie, j'ai des principes simples. Par exemple, si je vois un dresseur, je l'affronte. Moi, dans la vie, j'ai des principes simples. Quand je vois une meuf, je la touche. Ouais. Plonger. Putain, ça m'a fait mal. Attends. Pas très efficace, yes. Très bon dresseur, lui. Évite l'attaque. Onde de folie. Ok, yes. Allez, au revoir, merci. On bloque la route 9, comme ça personne peut atteindre. Smashing, il n'y a pas meilleur supporter que nous, que la Team Heal. Je m'en fiche de vos histoires, j'ai une technique pour flotter mes prophétés en multicyclette. Je suis venu la tester, laissez-moi en paix. C'est un peu le surf de maintenant. Du coup, on pourra nager sur l'eau, oui. Oh, mais je te connais, Challenger, tu te souviens de moi, je t'ai donné le vélo. Ouais, je crois que j'ai encore besoin de ton aide. Tu veux bien me débarrasser de ces guignols? Ok, les punks. Allez-vous trouver du taf. Au revoir, les néons. C'était très intéressant. Pandar barbe. M'en fous. Tu penses qu'il résiste à la banque Sonic encore? Non, il résiste pas. Là-bas, il y a des Pokémon.
On va essayer de les éviter, mais j'aimerais bien aller là-bas. Oh là là, non, tu vas pas me choper. Ma technique, frapper mes adversaires à coup sûr. Et avec des attaques super efficaces. Et je voulais faire un rap. C'était nul. C'est ce Pokémon-là, il est grave cool. Tout à l'heure, je le vois et je me dis, est-ce que je le prends ou pas? Mais il est grave cool au lieu de prendre un Pokémon aux roches, là. J'hésite. Ah bah tiens. On parlait de lui. Krakos. Mais en plus, il est trop badass. Contre. Aïe. Bon, au revoir. Les gens, c'est décidé. Je vais le mettre dans mon équipe, il est trop cool. En plus, il est niveau 50. Je pense que je vais le prendre à la place de la tortue roche haut. Go, l'attraper. Et ben voilà, un nouveau Pokémon dans mon équipe que je vais remplacer. Ça dépend de son... Oui ! Oui, les gens, oui ! Bon, j'enlève Torgamor, parce que Torgamor n'a plus, plus d'énergie. Je sais pas si je l'enlève, j'avoue que ça me fait un peu de la peine de les enlever. Mais pour l'instant, il est dans mon équipe, et je le trouve plutôt cool. Il nous attend tel un mec qui veut se fight, ça me termine. C'est une espèce de salope ! Impossible d'entrer dans Smashing. Ça fait des plombs qu'on attend. Ah, c'est l'entrée de la ville. Putain, ça fait flipper. Oh, à droite, on pouvait voir l'affiche d'une challengeuse qui est dans l'aventure. C'est peut-être sa ville en fois. Je pense que c'est sa ville en fait. Pourquoi le rideau est baissé? Comment on va faire pour obtenir le badge? Psst, Louis, par ici. Bah tiens, Quentin, on parlait d'elle. Tu veux rentrer dans la ville? Je peux te montrer par où passer, je suis né ici. On n'a rien sans rien. Si tu veux que je t'aide, faudra que tu me battes contre moi. T'es d'accord? Avec joie. On va faire vampirisme, parce que comme ça je récupère la vie qu'elle m'a enlevée. Ouf. Allez, salut. Direct toxique. Ça fait mal, parce que je suis type fée. Mais lui, type fée, il est aussi poison. Oh merde, mais les combats. Du coup, ça va faire mal, mais ça va pas être super efficace. Je t'ai gardé le meilleur pour maintenant. Étincelle. D'accord. Oh, rends-moi la vie. Bon, j'ai gagné avec un seul Pokémon. A few moments later. Dommage qu'on n'entend pas un vrai truc de ouf. Allez, montage, je vais mettre une musique par-dessus. Je serai le meilleur bodybuilder. Je squatterai sans répit. Je ferai tout pour être dans les secs et gagner des bibis. Où ça va? Allez, pour mon Pokémon niqué. Coup psycho. Bon bah au revoir hein. On va tenter choc émotionnel pour voir. Blocage. L'ennemi est prêt après se protéger. Ah oui, il y a pas mal d'attaques. Ah, c'est ça. J'allais dire, il y a pas mal d'attaques pour bloquer maintenant, mais... Ah, mais lui, il fait encore plus mal. Bon, je suis dans la merde. Putain, il a pris tellement de tarifs qu'il devait pas prendre autant, quoi. Allez, c'est pas grave. Je suis plus rapide. Et peut-être que tu vas crever. Mais tu vas crever. Tiens, voilà le badge ténèbres. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas, c'était trop cool. J'ai tourné un peu trop longtemps. Je vous dis au revoir. Et baisez vos mères. Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Je parcourrai la terre entière, frappant avec espoir.